de devenir quelqu'un de très dynamique, pas timide, et ça t'élève et ça te fait grandir. En une semaine, je pense que j'ai pris. Ça m'a changé vraiment. Je suis là pour passer le BAFA, donc un certificat d'aptitude aux fonctions d'animatrice. Et donc, je suis là pour découvrir ce métier et faire mon stage général. Alors, j'ai découvert le BAFA dans le film Nos jours heureux parce que je voulais devenir animatrice et je savais pas comment on faisait. Et après, on m'a guidée vers là pour devenir éducateur spécialisé, que c'était une première phase intéressante. Le BAFA, pour moi, c'est un cadre dans lequel on va être avec plein d'autres personnes de mon âge. Et ça va être un peu comme un camp de vacances où juste on va nous expliquer comment s'occuper d'enfants. Dans le métier de l'animatrice, j'aimerais bien partager mes passions avec les enfants, leur faire découvrir des choses naturelles pour essayer de les écarter du monde un peu numérique qui entoure toutes les activités d'aujourd'hui et les ouvrir à la sociabilité qui reste pas enfermée. Dans le métier d'animateur, mais plus en job d'été. Et au final, que je me rends compte que je pourrais potentiellement en faire mon métier plus tard. Ce qui m'a ça m'a apporté d'inattendu aussi, c'est vraiment j'ai beaucoup aimé organiser le côté de l'organisation. Ça, c'est assez ludique. Ils nous ont fait des petits dessins tout le temps, et du coup, ça permet de nous apprendre à s'organiser plus visuellement et en donnant envie, quoi. La façon dont je suis impliqué dans la chose, parce que je suis pas très impliqué dans les cours en général, et ça, je m'attendais pas à ce que je développe cette chose de prendre des notes, d'écouter, d'être tout le temps impliqué dans les contenus et tout ça. Du coup, pour donner un peu global, le moment préféré, c'est notre vie en communauté, parce qu'on a un très bon groupe avec des personnes très différentes et qui nous apporte énormément. Et je dirais aussi tous les premiers jours où on se découvre à travers des jeux flash, donc c'est que chacun présente son jeu en tant qu'animateur. Et en fait, c'est super dynamique et je trouve que c'est des super bons moments parce que on rentre dans la peau d'animé et on repasse animateur. Et donc ce switch, il est super intéressant. On apprend à devenir animateur en une semaine. Ça fait peut-être un peu peur parce que c'est intense, mais c'est une super expérience. Socialement, on découvre plein de gens qui ont envie de faire la même chose que toi, donc c'est super.